Bonjour à tous et bienvenue pour le jour 2 de nos 30 jours de tirage d'énergie de l'argent. Je vous inviterai à baisser vos barrières, à baisser toutes vos barrières, baisser toutes les barrières que vous avez mises entre vous et l'argent. Regardez combien de barrières est-ce que j'ai créées entre moi et l'argent. Combien de barrières est-ce que j'ai créées entre moi et les possibilités avec l'argent? Un peu, beaucoup ou des mégatonnes? Et tout ça, et tout ce qui crée ça, et tout ce qui est caché derrière, est-ce que vous voulez bien tout détruire et tout décréer, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, pot and poke, all names, shorts, boys and beyond. Baissez toutes vos barrières avec l'argent. Encore plus. Forcez les barrières que vous avez créées avec l'argent à se baisser. Relaxez-les. 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 Encore plus. Et encore plus. Et encore plus. Relaxez plus. De quelle joie est-ce que vous vous détournez avec toutes les peurs, l'anxiété, l'inquiétude et tous les sentiments que vous utilisez avec l'argent? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Right and wrong, good and bad, pot and poke, all nine shorts, boys and beyond. Combien de joie, de gratitude, de paix et de calme est-ce que vous pourriez ajouter à votre relation à l'argent qui vous permettrait d'être l'ami invitant que vous pouvez être pour l'argent, pour lui donner envie d'être avec vous? Baissez vos barrières et expansez cette énergie, expansez toute cette joie que vous pouvez être. Quelle joie, quelle gratitude et quel jeu est-ce que vous pouvez être qui donnerait envie à l'argent de faire partie de votre vie? Expansez cette énergie, expansez cette énergie, peu importe qu'elle soit toute petite ou que vous la perceviez déjà très très bien, expansez-la. Expansez cette énergie à la taille de la pièce, dans toutes les directions. Expansez cette énergie à la taille de la maison, du bâtiment dans lequel vous vivez, dans toutes les directions. Et expansez encore plus loin, expansez encore plus loin, à la taille de la ville, à la taille du pays, à la taille de la terre. Et expansez-vous et expansez cette énergie à la taille de l'univers et au-delà. Et tirez l'énergie de tout l'univers, au travers de toutes vos barrières, au travers de tous les mensonges que vous utilisez pour verrouiller les sentiments envers l'argent comme une réalité, plutôt que la joie, le jeu et le plaisir d'avoir l'argent et d'être avec l'énergie de l'argent. Tirez l'énergie et tout ce qui ne permet pas ça et tout ce que ça fait remonter. Est-ce que vous voulez bien tout détruire et tout décréer, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, pot and poke, all nine shorts, boys and beyonds. Tirez l'énergie, tirez l'énergie, tirez l'énergie, tirez l'énergie. Au travers de tout l'univers, de toutes ces énergies, permettez à toutes ces énergies de joie, de plaisir et de gratitude de dissiper tous les mensonges, tous les sentiments que vous avez créés, que vous avez achetés comme étant à vous. Au travers de toutes les limitations, de toutes les inventions, de tous les points de vue, et permettez à toute cette énergie de dissiper tout ça avec aisance totale. Et de dissiper vos barrières. Et tirez l'énergie à travers de chaque pore de votre corps. Et laissez circuler. Et laissez circuler. Et laissez circuler. Et laissez circuler. Et tirez encore plus d'énergie, des montants phénoménales d'énergie, des quantités phénoménales d'énergie au travers de tout l'univers. Combien, quelle joie,
quelle gratitude et quel plaisir sont disponibles dans l'univers en lien avec l'argent. Tirez l'énergie au travers de ça. Tirez l'énergie au travers de ça encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Au travers de toutes vos barrières et laissez circuler au travers de chaque pore de votre corps et laissez circuler, laissez circuler, laissez circuler, laissez circuler, laissez circuler. Et combien de points de vue, de points de vue fixes, pensées fixes, sentiments fixes, émotions fixes, état d'être fixe, est-ce que vous utilisez avec l'argent pour faire fuir l'argent? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien regarder, est-ce que ça vous appartient? Combien de tout ça ne vous appartient même pas? Si ça s'allège, c'est que c'est pas à vous. Si ça se contracte, c'est que vous avez vraiment acheté que c'était à vous. Donc tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer right and wrong, good and bad, put and poke, all nine shorts, boys and beyonds, et tout ce qui ne vous appartient pas? Est-ce que vous voulez bien tout renvoyer à tous les expéditeurs avec toute la conscience de l'univers attachée? Right, wrong, good, bad, poke, all nine shorts, boys and beyonds, et tirer l'énergie, tirer l'énergie, tirer l'énergie. Combien de personnes dans l'univers ont de la joie? Combien de personnes sur cette terre ont de la joie avec l'argent? Combien de personnes sur cette terre ont de la facilité à recevoir l'argent? Combien de personnes sur cette terre ont la joie à s'éduquer à propos de l'argent? Est-ce qu'on peut se déconnecter de toutes les autres personnes et demander à être vibratoirement compatible avec ces personnes-là? Quelles ondes cérébrales est-ce qu'on peut choisir d'être maintenant pour avoir la joie d'avoir l'argent, de jouer avec l'argent, d'apprendre à être avec l'argent, d'apprendre à avoir l'argent? Et est-ce qu'on peut tirer l'énergie au travers de tout l'univers, au travers de ces personnes qui ont la joie, l'aisance avec l'argent, avec les finances, avec tout ce qui est autour de l'argent? Tirer l'énergie au travers de tout l'univers de ces personnes-là, peu importe qu'on les connaisse ou qu'on ne les connaisse pas. Tirer l'énergie au travers de ces personnes-là et au travers de vous. Et est-ce qu'on peut demander à recevoir comment serait cette énergie-là que eux sont avec l'argent pour nous? Comment est-ce que nous, on peut être cette énergie de la joie avec l'argent, de la joie de gérer l'argent, de la joie d'avoir l'argent, de la joie de recevoir l'argent? Comment est-ce que ce serait pour nous d'avoir ces énergies-là dont eux sont conscients? Tirez l'énergie au travers de tout ça, au travers de tout l'univers, de ces personnes, de vous, de vos barrières. Combien de barrières est-ce que nous avons par rapport à ces personnes qui nous empêchent de recevoir la contribution qu'ils pourraient être pour nous? Et tout ça, est-ce qu'on peut détruire et décréer? Right, wrong, good, bad, purple, name, shorts, boys and beyonds. Et juste prenez un instant pour regarder. Ok. Regardez l'énergie quand vous dites « argent vient ». Argent vient à moi, argent vient à moi, money come, money come. C'est vachement plus joli en anglais, donc je vais le dire en anglais. Money come, 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 money come. Money come, money come, money come, money come, money come, money come. Et là, regardez à quelle distance est-ce que vous tenez cette énergie de l'argent. Est-ce que vous vous permettez d'être enveloppé par cette énergie ou est-ce que vous percevez comme, vous savez, une distance que vous avez mis entre vous et cette énergie qui est en train d'arriver quand on appelle l'argent? À quelle distance est-ce que vous êtes? Est-ce que vous percevez une résistance et comme si vous poussiez l'énergie pour que ça ne vienne pas?
Est-ce que vous êtes enveloppé par cette énergie? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shards, boys and beyonds. Combien de jugements, d'intentions cachées, de mensonges, d'inventions est-ce que vous utilisez pour créer la distance confortable avec l'argent et avec l'énergie de l'argent, avec la joie d'avoir l'argent? Est-ce que vous choisissez? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, le détruire et le décréer maintenant? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shards, boys and beyonds. Combien de jugements, inventions, mensonges, secrets, intentions cachées est-ce que vous avez à propos de l'argent qui maintient la distance confortable que vous choisissez? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shards, boys and beyonds. Combien de jugements, inventions, mensonges et intentions cachées est-ce que vous avez avec l'argent, la joie d'avoir l'argent, les sentiments envers l'argent qui maintiennent la distance confortable avec l'argent et l'énergie de l'argent? Est-ce que vous choisissez? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shards, boys and beyonds. Encore une fois, baissez vos barrières, encore plus, expansez encore plus, continuez à tirer l'énergie pour dissiper en même temps vos barrières. Combien de jugements, intentions cachées, inventions, mensonges et secrets est-ce que vous utilisez pour créer la distance confortable avec l'énergie de l'argent, avec l'argent, avec le fait d'avoir l'argent et avec la joie d'avoir l'argent? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien maintenant le détruire et le décréer, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shards, boys and beyonds. Je vous embrasse, on se retrouve demain, du coup à 7h15, pour les deux prochains jours, ce sera à 7h15 pour le Québec, 13h15 pour la France, parce que je suis en classe fondation, et voilà. Je vous embrasse, je vous dis à demain, passez une merveilleuse journée. Vous pouvez baisser vos barrières et recevoir l'énergie de la fondation que je suis en train de faciliter. Elle est incroyable, tout ce que ça bouge et tout ce que ça ouvre. Et au plaisir de vous revoir demain.